Daniel, sur que là vous êtes un peu rapide. Prenez le temps de chercher. Prenez le temps. Et qu'on en sorte. Ah, c'est un passage. Mais ne restez pas, parce que c'est très très lourd et vous n'avez plus la dynamique, vous n'avez plus les portées. En plus, faites très attention de ne pas être les uns devant les autres. Vous avez disposé un peu les jambes aussi. Oui, mais pour le moment, faites comme vous voulez. Je vous laisse vivre. L'école Super les Spectacles est née en 77. Je l'ai créée pour former des professionnels, ou plutôt compléter leur formation. Et en réalité, pour donner ce caractère polyvalent à l'artiste, c'est-à-dire créer la jonction entre les disciplines. Aider l'artiste à développer son expression par le biais du corps, de la voix, d'une théâtralité, lui donner une technicité polyvalente, mais également une culture professionnelle, générale bien sûr, et plus spécifiquement professionnelle, et développer sa créativité. C'est une école qui aide l'artiste à développer sa personnalité artistique, qui l'aide à trouver son chemin d'artiste, dans lequel on essaie de donner un maximum d'occasions à chacun d'être sur scène, en public, ou devant des caméras. On donne aux élèves des occasions d'être dans différents lieux publics. Ils peuvent également tourner. Et ce, à travers les différents modes d'expression qu'ils utilisent. Donc la danse, le théâtre et le chant, évidemment, qui sont souvent liés chez nous. Voilà l'école, c'est-à-dire un lieu dans lequel on apprend à renaître à soi, à développer sa personnalité, à l'épanouir et à développer tout ce qui peut nous permettre de nous exprimer sur un plateau, tout ce qui peut nous aider à être plus efficace en face d'un employeur, d'un directeur d'acteur, d'un chorégraphe par exemple, ou d'un journaliste, à défendre une œuvre, à défendre un texte par exemple, un thème. Et cette école qui donc maintenant a fait ses preuves ne prend plus que très peu d'étudiants qui ont une vraie volonté, une vraie motivation et sont réellement prêts à recevoir ce complément de formation dans cet esprit-là, avec ces opportunités qui leur sont ouvertes et qui leur permettent d'aller de plus en plus vers l'emploi, d'avoir de plus en plus d'occasions de montrer leur travail de création
et de développer leur créativité. Alors nous avons par exemple parmi nos étudiants beaucoup de musiciens, des gens qui avaient fait parfois 10 ans, 15 ans de piano, de guitare, etc., mais qui ne savaient pas trop comment l'utiliser, à part le mode concertiste par exemple, c'est-à-dire vraiment représenter une œuvre seule, comme ça, sur un plateau, et qui avaient peut-être, pour la plupart, démissionné sur ce plan-là. On essaie de récupérer ces compétences et de les mettre au service de cette discipline que l'on enseigne. Alors par exemple, ces jeunes gens ou ces jeunes filles vont avoir l'occasion dans l'école de se mettre à accompagner des chanteurs, voire s'accompagner eux-mêmes. Et ça c'est très important, c'est d'abord leur redonner confiance avec leur instrument, leur permettre de développer l'accompagnement, ce qu'ils n'avaient en général jamais fait, car c'est quand même une façon de se servir de l'instrument très particulière, très spécifique, et donc leur permettre de développer encore une fois une créativité et un mode d'expression avec quelque chose qui était en eux, mais qui dormait, qui sommeillait. On leur donne également l'occasion de travailler avec d'autres instruments, c'est-à-dire d'associer les instruments et de créer des groupes de travail. De créer des groupes de travail qui vont apprendre à gérer une œuvre ensemble, à gérer l'humain, parce que dans un groupe de création, il y a à trouver comment s'utiliser soi-même et utiliser les autres de façon à servir mieux l'œuvre elle-même. L'école essaie de les préparer à ce que vont être les aventures humaines d'une compagnie, ou du développement d'une création. Déjà, ça va être différent, je le dis, parce qu'il y a énormément de personnes. On n'appréhende pas l'espace de la même façon. Et ben, je sais pas, au niveau énergie, on va essayer de donner je vais essayer de donner le meilleur de moi. Et sinon, qu'est-ce que le spectacle vous apporte dans votre formation? Le fait de monter sur scène en plus des cours, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte plus le contact avec le public, déjà, et quelque chose qu'on n'a pas quand on est en résumé. Donc ça oblige à se surpasser, et puis surtout c'est aussi monter et créer avec d'autres en groupe. Et donc il y a tout un travail à faire aussi avec les autres. Madame et mes enfants. Bonjour. Qu'est-ce que vous apporte l'école en général? Beaucoup de remise en cause, en question, et sur un plan humain. Salut ta cuisine. Sinon, vous croyez que le fait de manger cette pomme va vous apporter quelque chose pour le spectacle? Oui, à tenir. À tenir. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci. En général, qu'est-ce que vous apporte cette école? Oh là là, plein de choses. Hein. C'est très vaste, c'est un travail sur soi en profondeur. Tous les jours, on rêve, même quand on dort, on rêve, on rêve, on rêve, on fait des choses, on a des choses. C'est pas pour ça, nous pas qu'à t'en nous chanter, c'est vous qui l'y nous, la manière dans sa vie est tout, c'est vous qui l'y nous, les mamans y perdent des voyelles, les vols, et on a la fille et on a maman toujours présent, mais c'est violon violet. Et je vous invite à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Faites-le, c'est gratuit.